Un algorithme est une suite d'instructions ordonnées qui a pour but de trouver un résultat à partir de données connues. À partir de données connues, on veut donner des instructions pour calculer un résultat, mettre en place un protocole, une procédure pour réaliser ce calcul. Imaginons le problème suivant. Comment calculer le nombre de bactéries dans un milieu de culture au bout d'un certain temps? Quel poids cela représente? On connaît le temps de division d'une bactérie, 20 minutes, et le poids d'une bactérie, 0,01 nanogramme. Si on devait répondre à ce problème, on va se demander quel est le nombre de bactéries au départ, puis au bout de combien de temps va-t-on réaliser le calcul, et on va calculer combien il y aura de divisions durant le temps de l'expérience. Au cours de chaque division, le nombre de bactéries double. Le nombre de bactéries après la première division est donc le nombre initial multiplié par 2. Après la deuxième division, le nombre issu après la première division multiplié par 2, etc. Le calcul sera nombre final est égal au nombre initial de bactéries multiplié par 2 à l'exposant nombre de divisions. On affiche ensuite le résultat du nombre de bactéries. Puis le poids des bactéries total est le nombre de bactéries multiplié par le poids d'une bactérie. On veut comparer ce poids au poids d'une baleine bleue d'environ 150 tonnes. On divise donc le poids total des bactéries par 150 tonnes pour obtenir l'équivalent en baleine bleue de notre culture de bactéries.